Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Si tu traverses un temps difficile, je voudrais t'encourager à t'approcher de ton Seigneur qui t'aime et qui a la puissance de te secourir. J'imagine que tu as déjà entendu cette exclamation de la part de tes parents « Fais pas ça !» Nous qui sommes parents, à notre tour aussi, nous avons dit si souvent à nos enfants « Fais pas ça !» Ne mets pas tes doigts dans la prise, c'est dangereux. Nous devons bien souvent avertir les enfants des dangers de certains comportements, n'est-ce pas? La loi de Moïse joue le même rôle de pédagogie. Elle nous dit « Fais pas ci, fais pas ça. Ce serait un péché, tu te ferais du mal. Tu ferais du mal à ton prochain et tu ferais du mal à Dieu. » La loi de Moïse nous donne des règles à respecter afin de vivre en sécurité et en paix. Malheureusement, ni toi, ni moi, ni personne n'a la capacité de l'accomplir dans sa globalité. Même les plus dévoués des gens qui se consacrent à observer la loi sont en échec. Nous sommes tous pécheurs. En réalité, la loi n'a été donnée que pour nous révéler le péché. Romains chapitre 7, verset 7 nous dit ceci. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras pas ». Voici le texte de l'Évangile qui nous aide à résoudre ce problème qui semble insoluble. Jésus nous donne donc l'élément de réponse à la question que nous nous posons tous. Comment faire pour respecter la loi de Dieu? Nous lisons dans Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. » Et le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements, nous dit Jésus, dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Mon ami, voici la clé de compréhension. Tout est dans l'amour. Quand je laisse l'amour de Dieu combler mon cœur, je n'ai pas la tentation de le remplir par mes mauvaises passions. Quand à mon tour j'aime Dieu plus que mes envies et mes pulsions, il me donne la force de vaincre la tentation. Et quand j'aime mon prochain comme je suis aimé de Dieu, je ne peux que lui vouloir du bien. Aime et tu accompliras naturellement la loi de Dieu. Mon ami, je veux te laisser avec cette parole de Paul qui résume la réponse à cette grande question : comment respecter la loi de Dieu ? Elle se trouve en Romains chapitre 13, verset 8. Il nous dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » L'amour est donc dans l'accomplissement de la loi. Sois béni et à bientôt.